à Elena. Et même si, mon enfant, tu es face à un dilemme, que l'homme prend tes droits et crée toutes tes peines, ma chérie, sois sereine et grandis pour être femme. Fais de cela une force et mets fin à la haine. Ils te diront sûrement que tu devrais te taire, mais tu devras chaque jour élever la voix pour leur montrer à tous le souffle d'une colère et d'une lutte portée, enfouie au fond de tes bras. Tu seras grande, sans souci de ta taille, dans un monde où chacun est perçu comme petit. Mais prends place au combat, adhère aux batailles, et fais de tes actes les points forts de ta vie. Contre un empire de conviction, tu lèveras le poing, donneras vie, pour voir nos femmes partir au front, la fleur au bout du fusil. Tu tendras la main à de nouvelles personnes, que le temps prendra peine à rendre plus bon. Et si de cette histoire en sort de nouveaux hommes, c'est qu'au-delà de nos craintes, le monde a repris sa raison. Ovidie Morand. Merci Méline, merci. Mesdames, je vais quand même dire mesdames et messieurs parce que nous avons quelques messieurs dans la salle, mais surtout bienvenue mesdames pour cette journée des droits des femmes que nous organisons à la mairie de Monceau ce dimanche 6 mars. Merci Méline, Méline qui est membre du CMJ et qui reviendra tout à l'heure pour vous refaire une lecture. Cette journée des droits des femmes, aujourd'hui nous avons décidé de la lier à la question d'être au service des autres. Ce sera notre fil conducteur tout au long de cet après-midi, la question du soin, la question du care, et comment souvent ces métiers sont occupés par des femmes. C'est pour ça que ce sont des femmes que nous voulions mettre au centre de notre après-midi, et vous allez voir défiler justement tout au long de cet après-midi des femmes atypiques, particulières, qui ont des parcours bien à elles, qui sauront vous les expliquer, je pense, avec toute la passion de leur métier. Et nous allons d'ailleurs commencer par Agnès Lotte, que nous invitons à nous rejoindre sur le canapé. C'est la première, c'est toujours un petit peu intimidant. Je vous en prie, merci. Bonjour Madame Lotte, merci de nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Je me permets juste avant de commencer notre entretien de préciser pour les personnes qui vont nous regarder. Donc nous ne portons pas de masque car nous avons mis en place le pass vaccinal et de ce fait, nous pouvons être ici nous, tous sans masque. Voilà. Alors Madame Lotte, vous avez un parcours assez atypique. Donc vous venez aujourd'hui en tant que famille d'accueil. Est-ce que vous... Assistante familiale. Est-ce que vous pourriez rapidement, quelques mots, nous détailler un peu votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené là? Au départ... j'étais pas une adepte de l'école, hein, je l'avoue. J'aimais bien ma liberté. Et issue d'une famille nombreuse où mes parents étaient très courageux parce qu'élever 10 enfants dans un immeuble, où on avait une priorité aux enfants, où on mettait des cours à l'intérieur des immeubles et des voitures. Il y en avait très peu, donc elles étaient sur la route. Donc je suis partie travailler dans la région nantaise, du côté de Bougnay. J'étais pompiste. Je suis revenue sur Monceau parce que j'ai une de mes sœurs qui s'était installée avec son époux comme pompiste sur Monceau, donc je suis venue les aider. De là, j'ai rencontré des amis, j'ai fait beaucoup de rencontres. Et je suis rentrée aux établissements Blanchard, à la bonneterie Blanchard, jusqu'à 2002. Et là, c'était temps pour moi de sauter le tremplin, de partager la main tendue qu'on m'avait faite, qu'on avait fait à toute ma famille. Et puis, entre voisins, avant, les gens s'entraidaient beaucoup. Donc, sur le principe, j'ai attaqué les derniers temps où je travaillais chez Blanchard, toujours. J'ai commencé ma formation d'assistante familiale et par là, je suis devenue assistante familiale, où on dit famille d'accueil, mais c'est vrai que c'est aussi famille d'accueil parce que tout le monde, toute la famille est prise dedans. Et comment vous est venue cette idée? Parce qu'il y a peut-être un déclic, quelque chose, parce qu'on passe pas tout de suite de chez Blanchard à assistante familiale. Non, c'est le ressenti qu'on a, la main tendue qu'on a eue. Parce que j'avais une institutrice qui était là, qui était présente, qui savait que l'école, c'était peut-être pas mon truc.
Voilà, donc elle m'a toujours accompagnée. J'ai été invitée de nombreuses fois chez elle. Elle a maintenu le lien bien longtemps après avoir été mutée sur la région parisienne. Et puis après, on s'est perdu de vue. Entre voisins aussi, on s'entendait bien. Donc, il y avait toujours quelqu'un qui était là pour s'occuper des uns et des autres, si les parents étaient hospitalisés ou si les parents travaillaient. Parce qu'il y avait du travail encore du temps de M. Pinet. Donc, moi, j'ai eu l'honneur d'aller plusieurs fois à la mairie de Saint-Chamond, pardon, rencontrer M. Pinet avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Et pour moi, c'était temps de changer. Ce n'était pas mon objectif de faire de la bonneterie toute ma vie. D'ailleurs, l'usine a fermé tout de suite après. Donc, j'avais besoin de tendre la main à mon tour à quelqu'un, à des jeunes ou des moins jeunes, à des enfants dits à troubles, à des enfants porteurs de handicap, de lourds handicaps, porteurs de familles qui étaient défaillantes à un moment et qui, une fois qu'on a bien travaillé ensemble, entre l'enfant et les parents, ce qui est le plus intéressant chez nous, moi, c'est quand les enfants rentrent dans la famille, parce que la famille a ressurgi, s'est reprise en main. Et bon, c'est pas tout le temps le cas, hein. Faut pas rêver, ça arrive. Moi, j'ai accueilli 29 enfants en permanent, plus les relais. Et dans les 29, j'avoue que je suis plusieurs fois mamie d'accueil. Hein. J'ai des enfants qui ont bien réussi, des jeunes que j'accueillais. Mamie d'accueil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils reviennent? Ça veut dire qu'eux-mêmes sont papa ou maman maintenant. Donc, et j'ai eu le bonheur aussi de voir une jeune que j'accueillais aller tendre la main à son tour à un jeune que j'avais eu aussi en accueil et qui était malheureusement dans la rue. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Parce que vous nous l'avez expliqué au téléphone et c'est vrai que cette anecdote est très touchante. Et ben, c'était un jeune que j'accueillais qui était un enfant différent avec des troubles. Et la jeune, elle avait fini son placement. Un jour, elle se promène dans les rues de Chalon et elle a trouvé ce jeune à faire la manche. Et quand elle est repartie dans sa région, elle l'a emmené avec elle. Elle ne l'a pas laissé derrière. Donc la main tendue, elle s'est refaite. Et c'est le plus beau des partages qu'on puisse faire en famille d'accueil, c'est de savoir que le jeune qui est passé par là, ou les familles, simplement les familles. Il y a aussi un accueil des jeunes enfants parce que les parents ont un moment où ça ne va pas dans leur vie. Il suffit d'un coup de chômage ou perdre quelqu'un qu'on a de très cher et puis on n'arrive pas à se reprendre. Et quand un jour on vous dit, ben ça y est, l'enfant rentre. Mais il ne rentre pas parce que la loi dit maintien des liens avec la famille, mais parce que les parents vont mieux et que l'enfant va bien. Si on sait que le parent va bien, l'enfant ira bien. Et on n'aura pas de regrets qu'il soit rentré. Parce que ça arrive, les regrets. Est-ce que c'est ça qui vous rend le plus fier? Ou alors, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Non, ce n'est pas de la fierté, c'est un accomplissement. Qu'est-ce qui vous fait aimer votre métier? Mon métier, c'est que c'est tellement différent d'un jour à l'autre, c'est tellement différent d'un mois à l'autre, d'un enfant à l'autre, d'une année sur l'autre. Il y a beaucoup de changements. Il faut suivre la loi aussi, toutes les lois qui changent, et s'adapter. Et je suis fière de mon métier parce que c'est l'un des rares métiers où la parité entre hommes et femmes est égale. Le salaire, le même, les mêmes travails, les mêmes kilomètres, les mêmes enfants, les mêmes. C'est vraiment un métier où c'est le métier partagé. Le métier, et on est fiers de réussir à tendre la main, à aider ces enfants, ces jeunes et ces plus petits. Et moi, j'avoue. J'ai travaillé avec du handicap très lourd. J'ai travaillé avec des enfants à gros troubles du comportement. Je travaille actuellement avec un enfant d'une maman migrante. C'est un très beau travail aussi, je peux vous dire, et sans préjuger aucun. Je peux travailler aussi bien avec un enfant d'un pays, avec un enfant d'un autre, avec un enfant de personnes riches comme de personnes très pauvres. Ça m'est arrivé d'accueillir un jeune où la maman, elle était en perdition, alors que c'était une dame qui venait d'un monde qui était bien au-dessus du mien.
Et au moment où son fils est parti, où il est rentré chez elle, elle est venue. Cette dame, il fallait quand même beaucoup de courage venir dire « Je vous remercie pour ce que vous avez fait pour mes enfants. » Et ça, il faut beaucoup de courage quand on vient d'un certain monde, qu'on est tombé très bas et qu'on arrive à remonter la pente. Ouais. Est-ce que pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui verront les vidéos qu'on va enregistrer, quel conseil vous donneriez ? Par exemple, si quelqu'un réfléchit à devenir assistante familiale, est-ce que vous auriez un conseil ? Oui, vous en parlez à votre famille d'abord, vous en parlez à vos enfants, à votre entourage. Et il faut avoir la niaque. Il faut avoir, faut aimer se casser le nez contre le mur. Il faut aimer se dire, ben, ça ira mieux demain, ça ira mieux après-demain, ou ça ira mieux l'année prochaine, ou dans 10 ans. Mais ça ira toujours mieux un jour. Il faut y croire, hein. Il faut y croire. D'abord, nous, on a un métier où on est bien accompagné maintenant. Avant, on était moins bien accompagné. Avec les changements de loi, on est bien accompagné, on est bien surveillé aussi, parce que ça peut arriver aussi qu'on ait besoin d'être surveillé. Et franchement, pensez à vos enfants au départ, si vous avez l'intention de devenir famille d'accueil ou assistant familial, vous devez en parler avec eux d'abord. C'est eux qui doivent définir, malheureusement, votre métier. Parce que ça peut être le chaos. Ça peut être que du bonheur ou ça peut être un chaos total pour votre famille. Parce que ce n'est pas tout simple. Parce qu'ils peuvent ramasser des coups. Et des coups au sens figuré, mais au sens propre aussi. Hein. Et par contre, ils peuvent pleurer quand les autres s'en vont. Et ils peuvent devenir les meilleurs amis du monde, ou être le témoin du mariage, ou être le parrain du bébé, ou voilà. Donc ça doit être un souhait, c'est un métier où c'est vrai, c'est compliqué de se dire bah, je dois choisir mon métier en fonction de ma famille. Mais on ne peut pas investir sa famille si on ne lui dit pas tout ce qui ne va pas aller ou tout ce qui peut bien aller. Justement, quand nous nous sommes mis au téléphone, vous avez parlé d'une mission. Est-ce que pour vous, c'est, quelque part, c'est plus qu'un métier puisque ça implique tout votre entourage ? C'est une mission, c'est vraiment... c'est plus qu'un métier parce qu'on y met tout ce qu'on a là. On y met tout ce qu'on a de plus cher au monde, hein, parce que nos enfants, nos petits-enfants, ça, c'est quelque chose de très cher. Pour moi, c'est... Voilà. Hein. Et il faut s'attendre à ce que vos enfants puissent être un peu jaloux des fois. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être jaloux, mais ils peuvent. Hein, ils peuvent. Et se dire, tu as plus de place pour eux que pour moi. C'est pas vrai, mais c'est un métier où on bouge énormément. On est souvent dans la voiture. Alors, c'est pas le travail tranquille à la maison, hein, je vous le dis tout de suite. C'est un beau métier. J'adore mon métier. Mais il faut aimer apprendre à conduire, faire beaucoup de kilomètres, savoir la France par cœur, connaître les départements à peu près par cœur aussi, et puis savoir se déplacer souvent. Souvent, souvent. Et accepter que vous puissiez accueillir un enfant dit normal, et puis découvrir qu'en fin de compte, il a tellement été chaoté qu'il est devenu un enfant différent. Et ça, c'est compliqué à comprendre ça. Vous allez continuer combien de temps ? Ah, si je le dis. Je peux le dire parce que je l'ai annoncé. Je m'arrête en mars 2023 parce que je travaille depuis l'âge de 16 ans. Donc, je laisse la place aux jeunes. Voilà, maintenant. Merci beaucoup. Merci. T'as appris de votre temps. Nous allons maintenant visionner une vidéo, un film qui a été tourné il n'y a pas très longtemps sur une famille un petit peu particulière, une famille de femmes. Je vous laisse découvrir. Donc à ma droite, c'est ma cousine Christine. Quand on était petites, on passait tous nos étés ensemble. Dans sa vie, elle est hôtesse de l'air. À ma droite, c'est ma maman qui s'appelle Marie-Christine, retraitée des droits d'auteur de la SACEM. C'est une grand-mère jeune, active, retraitée, mais au taquet. À ma droite, notre maman, notre grand-mère et notre arrière-grand-mère. C'est une femme exceptionnelle. À ma droite, c'est j'ai ma fille aînée, là, Marie-Thérèse, qui habite à proximité de chez moi. Ma foi, elle est retraitée, elle est élue au département, elle est élue à la mairie. Maïs, donc, qui habite également à proximité. C'est une petite fille qui est aussi adorable, très courageuse. Voici ma mère. Elle s'appelle Nathalie, puis elle travaille en comptable. Elle est très cool.
C'est les liens. Toutes les générations se retrouvent et les liens sont jamais. C'est comme si on s'était vu la veille. Voilà, c'est ça. Voilà, les liens c'est sont surtout intacts. Ça. C'est surtout ça. C'est que vous pouvez des mois sans se voir, quand on se revoit, c'est comme si c'était la veille. Dès qu'il y a un truc, c'est comme un cocon, un truc qui se referme, quoi. Une notion de solidarité et de partage dans la famille. Oui, tout à fait. Qui est très forte chez nous. Et de simplicité aussi. C'est ça, c'est facile. On accepte aussi les gens tels qu'ils sont, hein. Oui, c'est ça. Oui. Avec leurs belles qualités, mais aussi avec leurs défauts qui, des fois, nous font suer. Bon, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ah, ça, c'est vrai. On est bonne vivante aussi, hein, on aime bien la vie. Hein, alors. La joie, la bonne humeur, comme dit la chanson, hein, c'est de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, oui. C'est comme dans la chanson. Je pense que ma maman, elle a dit une phrase il y a pas plus tard qu'aujourd'hui. Notre papa est décédé déjà il y a un moment et elle vit différemment, seule. Parce qu'elle a pu prendre en charge des choses. Mmh. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est pas la même génération. Ouais. Donc, il y a des choses qu'elle ne prenait pas en charge parce que c'était l'homme qui prenait en charge ces choses-là. Ouais. Donc là, c'était un petit peu... Non, c'est pas un esprit de revanche, mais des choses qu'elle a pu entreprendre, qu'elle a pu faire, parce qu'elle en avait des capacités. Pas faire avant, oui. Et que tu pouvais pas faire avant. On peut faire jardin maintenant. Y compris le jardin. J'allais demander, ouais. Y compris le jardin. Je pouvais pas mettre les pieds dans le jardin, parce que je savais pas faire, mais maintenant je fais mon jardin toute seule. Et toi, avec mes petites filles qui viennent m'arroser le jardin, l'été. Je vais pas retourner la terre tous les deux. Je pouvais pas prendre de décision seule, par exemple, hein, oui, voilà. Même pour un achat de quelque chose, de meubles ou de quelque chose. Mais pour acheter des patates, parce qu'il y en avait dans le jardin. Je suis libre maintenant. Je vis toute seule, mais je suis très bien comme ça. C'est plus facile d'être une femme maintenant de notre génération que la génération de ma grand-mère, ou même la génération de ma tante ou de ma mère. Ma grand-mère a élevé des enfants dans cette maison depuis toujours. Maintenant, on change de mari, on change de maison, on change... Enfin, et on n'est pas jugé pour ça. C'est plus facile d'être une femme comme on en a envie. Même on peut être une femme qui aime une femme. Maintenant, c'est plus simple, je pense. On a plus de liberté. Elles ont eu moins la facilité. Mais quand même, je pense que même aujourd'hui, vous, dans certaines circonstances... C'est compliqué. Parce qu'on est une femme, il faut se battre. Ben oui. Toujours. On est bien d'accord. Mais c'est toujours plus facile que ça. Mais on n'arrive plus à se faire entendre. Voilà. Avant. Ma maman, elle est née en 1930, elle devait demander la permission à mon père pour travailler. Oui. Il n'y avait pas de signature sur le carnet de chèques. Alors, est-ce que vous avez déjà eu envie d'être un homme, même pour une journée? Ah ouais, bien fait. Non. Pas d'aspirateur, pas de lessive, pas de vaisselle. La classe, ah ouais, j'aurais adoré dehors. Donc ça n'a pas changé en fait. Parce qu'on parle des nouveaux papas ou des nouveaux maris, etc. Bon, dans un moindre... Mais ça, en fait, vous voyez la réaction, ça n'a pas vraiment changé par rapport à la génération 92 ans, là. Et puis, dans certaines situations... On a encore des stéréotypes qui restent, quoi. Mais peut-être que par curiosité... Oui, parce que ça... Attention, on ne peut pas juger tant qu'on n'est pas à la place. Moi, c'est ce que je dis. Tant qu'on n'est pas à la place de l'autre, on ne peut pas peut-être complètement comprendre ce qui se passe. Donc, peut-être que ça pourrait être un élément qui... Oui. Améliorerait notre compréhension. Passer de l'autre côté obscur. Passer de l'autre côté pour voir ce qui s'y passe. Mais voilà. Tu aurais voulu être un homme? Non. Alors bien souvent, on boit un bon coup, on ouvre une bonne bouteille, on boit un bon coup. C'est toute cette bienveillance et cet amour, parce que finalement, même s'il n'est pas tout le temps déclaré, parce que loin de là, effectivement, mais il est là. Tout ça, là, c'est beaucoup, beaucoup de courage de femmes avec des luttes difficiles. Je suis fière de mes enfants, de mes petits-enfants, même de mes arrière-petits-enfants. Là. C'est une petite fille super que j'ai là.
Dans la famille Frisot, j'appelle Marie-Thérèse. Je vois. Marie-Thérèse, quelle est ta réaction face au rendu de ce film? Tu étais sur le tournage, mais qu'est-ce que ça te fait de vous voir ensemble comme ça, face à la caméra? Qu'est-ce que ça te fait? Ça fait chaud au cœur, hein? Ça fait chaud au cœur, c'est... ça fait bizarre de se voir, hein? Bien évidemment. Après, on a été aussi un petit peu pris au dépourvu, hein, de ce reportage qui s'est présenté à la dernière minute, puisque non seulement vous avez dû voir qu'il y avait ma maman, ma fille, ma petite fille, enfin, etc. Mais par hasard, il y avait ma sœur qui arrivait de Perpignan avec sa fille et son petit-fils. Donc on a dit bon ben voilà, hein, tout le monde vient. Hein, et donc là, je crois que c'est ta sœur, Maëlle, hein, qui était là. Donc ce qui devait durer 5 ou 10 minutes a duré 3 heures, quoi. Donc parce qu'on n'était pas très disciplinés, vous avez pu voir un petit peu. Hein. On est un peu toutes du même, on est un peu toutes faites du même moule dans cette famille. Hein. Voilà. Marie-Thérèse, moi j'aimerais te poser une question. C'est comment est-ce qu'on éduque nos filles pour qu'elles soient fortes? Comment toi tu as fait? On n'a pas dit que ce serait facile. Oui, parce qu'alors là, en plus, moi, on ne m'a pas interrogé par téléphone comme Madame Lotte. Hein. Je n'ai absolument rien prévu ni rien organisé. Donc là, je suis un petit peu plus au dépourvu. Comment on éduque nos filles? Moi, je pense, je crois toujours par la force de l'exemple. Hein, voilà. Je pense que ça soit bon, garçon, fille, peu importe, hein, il faut leur montrer tous les jours, enfin, le bon exemple, entre guillemets, parce qu'on ne montre pas toujours le bon exemple. Hein. Attention, hein, d'abord, elles l'ont dit hein, dans le film, hein, on n'est pas toujours... Personne n'est parfait, hein. Donc, voilà, on doit voir ce qui va bien, mais on doit voir aussi, quelquefois, ce qui va mal, hein. Puisque moi, je me suis entendu dire par mes enfants, ben, c'est peut-être pas une erreur, hein, avec toi, c'était un peu marche ou crève. Le jour où on m'a dit ça, ça m'a pas trop fait plaisir. Mais bon, voilà. Hein, mais voilà. Donc, je pense que ça donne peut-être ce qu'il a dit. Femme de courage, ça a été dit. Donc, moi, c'est aussi... Il y a aussi une transmission. Parce qu'on a parlé de partage. Mais il y a aussi transmettre. Parce que moi, ce que j'ai transmis à ma fille, et puis bon, autre, bah, c'est ce que j'avais moi-même eu de mon père, de ma mère. Hein. Donc voilà, je pense qu'il y a un problème de partage, mais il y a aussi de la transmission. On est là pour ça éternellement. Et c'est pour ça que chacun vit finalement dans le cœur de l'autre. Parce que bon, voilà, tous les jours on transmet. Enfin voilà, c'est ma façon de voir les choses. C'est une très belle réponse. Oui. Je voulais continuer plutôt moi sur ton parcours. Tu es, on l'a vu, une fille, une mère, une grand-mère, mais tu as aussi été et tu es toujours une femme élue. Oui. Tu as eu une carrière, une longue carrière de professeur également. Oui. Est-ce que dans ta vie, tu as eu déjà des moments où tu as eu l'impression de devoir choisir entre toutes ces étiquettes? L'impression de devoir choisir. Mais, de toute façon, j'allais dire, on n'a pas le choix, il faut choisir. Dans la vie, on fait toujours des choix. On a toujours les circonstances, l'environnement font que, à tout moment, on a des choix à faire. Le problème, c'est de les assumer derrière. C'est ça. Alors, c'est pas facile, évidemment, de faire ces choix, parce que quelquefois, ces choix peuvent être des renoncements de quelque chose, mais peut-être aussi pour un avenir qui peut nous aussi nous surprendre par rapport aux choix qu'on a fait précédemment. Mais voilà, moi, des choix, on en fait tous les jours. C'est naturel. Je pense que tout le monde doit les faire, mais surtout, après, les assumer. Et on a toujours quand même le droit de dire non. On a le droit de dire oui. Important. Moi, c'était un petit peu... Enfin, c'est important, oui. Parce que c'était un petit peu mon défaut, moi. Hein. J'avais toujours du mal, n'est-ce pas, Madame le maire, à dire non. Hein. On me demande, et je fais. Et à un moment donné, il faut aussi apprendre à dire non. Et peut-être que les générations nouvelles le font plus facilement que nous, où effectivement, on était quand même un petit peu
des femmes de devoir. Il faut le dire. Hein. Moi, ma maman était une femme de devoir. Voilà, donc on est un petit peu dans ce schéma. Et très heureuse que ça puisse maintenant évoluer. Hein. Mais j'étais un petit peu... voilà. Et ma sœur pire que moi. Justement, qu'est-ce que tu as préféré dans cette vie de femme engagée, de femme de devoir, comme tu l'as dit? Quels ont pour toi été les meilleurs moments en tant que femme élue, en tant que mère, en tant que grand-mère, en tant que... Choisis une anecdote au moins, un moment. Que je choisis un moment où... alors là c'est plus compliqué. Hein. Là c'est plus compliqué. Un moment, une anecdote pour dire la satisfaction, tu veux dire, la satisfaction que j'ai eue. Alors la satisfaction, bon, je vais prendre un exemple tout bête. Hein. Effectivement, bon, la satisfaction d'être une femme élue. Hein, parce que c'est quand même, aujourd'hui, bon, moi je dirais pas un exploit, mais pour moi presque. Hein, puisque les circonstances qui ont fait effectivement que je suis arrivé dans le domaine de la politique, qui n'est, je le répète encore, ce n'est pas mon monde. Hein, ce n'est pas mon monde. Mais j'y suis arrivé au hasard parce que quelqu'un m'y a un peu incité. Je ne citerai pas de nom. Hein, mais c'est une expérience effectivement formidable là. Surtout quand on découvre quelque chose. Je pense qu'il est bien, c'est quand on découvre ce que ça peut effectivement apporter, parce que même effectivement si c'est très très compliqué, très difficile, hein, les femmes en politique aujourd'hui, je pourrais vous en entretenir une après-midi entière. Hein. On te réinvitera. Voilà. Donc bon, c'est vrai qu'il y a cette parité. Hein, il y a cette parité. Bon, on le sait. Cette parité au département, il y a autant d'hommes que de femmes parce qu'on est. Mais sur le terrain, c'est pas vrai. Hein. Donc on se rend bien compte. On se rend bien compte qu'il faut se battre et on en discute souvent avec Marie-Claude hein, parce que bon, on a le même regard. Pour arriver à se faire reconnaître en tant que tel, au niveau de des mêmes compétences, des mêmes attributions, il faut se battre 10 ou 20 fois plus. Hein. Même auprès de ceux qui... Enfin, je dis, c'est pas pour péjoratif pour les messieurs, hein, ce que je dis là, mais même ceux qui, effectivement, se disent reconnaître l'égalité homme-femme, quelquefois, c'est pas si facile pour eux d'avoir le comportement qui convient pour cette égalité. Hein. La blonde de service, on l'a toujours, hein, effectivement. Hein. C'est pas. Alors, nous, on le prend. Il faut aussi, je pense, il y a peut-être quelque chose aussi que je pourrais ajouter. Bon, souvent, aujourd'hui, c'est vrai que ça peut aller très loin dans ce type de remarques, mais qui, quelquefois, peuvent être aussi, bon, allez, une anecdote amusante. Je pense que, quelquefois, tout dépend aussi de la façon dont on le reçoit, et la façon dont c'est dit et dans quel contexte c'est dit. Parce que quelquefois, moi, chez moi, ça passe pas. Puis quelquefois, je rigole. Voilà. Bon. Donc il y a toute une nuance qui est importante. Quelle est, selon toi, oui, dans tout ton parcours, la qualité qui t'a le plus aidé à devenir la femme que tu voulais être? Il y en a une qui rit en face. Hein. Elle m'attend au tournant. Donc, une de mes qualités, je suis, bon, j'ai quand même un petit peu le goût de l'effort, on va dire, hein, mais c'est de la transmission, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. Je suis patiente et tenace, je pense, parce que mine de rien, je trace ma route, même, enfin voilà, même si j'écoute, hein, je suis quelqu'un de très... Ça fait... Non, c'est pas ça, Paul, un peu? Ah, si. Hein, voilà, je veux dire, ceux qui me connaissent un peu, il n'y a pas de surprise, hein, parce que finalement, je suis très à l'écoute quand même. Hein. Oui. Je suis à l'écoute, je suis quelqu'un de très tolérante, je pense, hein, parce que donc, je peux non pas excuser, mais comprendre certaines choses, attention, c'est pas la même chose, mais finalement, je me laisse pas trop influencer, je trace un peu ma route quand même. Hein. Mais moi, je voudrais quand même rajouter très empathique, très humaine aussi. Oui, oui. Si, je pense que j'en ai fait l'expérience aussi, et très accueillante. Merci, Amélie. Bah non, je t'en prie. Moi, je voudrais te poser peut-être une dernière question, si tu en es d'accord. C'est quel conseil tu donnerais
aux filles, aux petites filles d'aujourd'hui qui voudraient s'engager également et qui voudraient peut-être plus tard s'engager en tant qu'élue ou autre, mais quel conseil tu leur donnerais? Bon, alors là, c'est pareil, ça amène quand même une petite réflexion. Hein, si... Il me faut le temps que ça cogite un peu. On est là pour ça. Être une femme d'engagement, finalement, quel que soit l'engagement, quel que soit l'engagement. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'engagement de quelqu'un qui, effectivement, est assistante familiale. Je connais bien le problème, puisque j'étais vice-présidente au département en charge, justement, de l'enfance et de la famille. N'est-ce pas, Caroline? Donc voilà, donc c'est un sujet que je connais très bien. Donc quel que soit le métier, quel que soit l'élu ou pas, ou c'est l'engagement qui compte, la force de l'engagement. Et effectivement, quelle qualité pour avoir cette force d'engagement? Je pense qu'il y a un élément important qui est la fidélité, parce que quand on prend un engagement, qu'il soit dans un métier, qu'il soit politique, pour moi, c'est important d'être fidèle. La fidélité, le respect sont peut-être deux éléments importants. Et puis après, on l'a dit tout à l'heure dans le reportage, hein, il faut quand même une sacrée dose de courage, quoi. N'est-ce pas, Marie-Claude? Hein? On le sait, on en fait l'expérience tous les jours. Bon, dans d'autres domaines, hein, donc... celle qui m'a accompagnée dans mon précédent mandat d'élu départemental, n'est-ce pas, qui est aussi engagée dans d'autres domaines, la Ligue du cancer, etc. Vous voyez, donc c'est, quel que soit votre engagement, ça nécessite quand même, effectivement, en tant que femme, certaines qualités. Merci beaucoup. Merci. Je t'invite à rejoindre ta place, Marie-Thérèse. Merci. To a day you only shop for you, and I don't mind if you buy clothes that I think may not be right for you. Who you are is not what you wear, and what you think has nothing to do with hair. I love you for what your heart shows. That's why I just can't let it go. I ain't worried about your clothes, 'cause the clothes don't make the woman. And I ain't worried about your hair, 'cause the hair can't give me loving, only you. I ain't tripping on your shoes, 'cause they don't smile at me the way you do. Girl, to me, you're a miracle. You're so much more than material. I don't mind if you have fun going out to get your makeup done. And I won't mind if I see you exploring different sides of you. I love you from the inside out. I love all the things that I don't know about. 'Cause you're the realest woman I know. That's why I just can't let it go. I ain't worried about your clothes, 'cause the clothes don't make the woman. And I ain't worried about your hair, 'cause the hair can't give me loving, only you. I ain't tripping on your shoes, 'cause they don't smile at me the way you do. Girl, to me, you're a miracle. You're so much more than material. I ain't worried about your clothes, 'cause the clothes don't make the woman. And I ain't worried about your hair, 'cause the hair can't give me loving, only you. I ain't tripping on your shoes, 'cause they don't smile at me the way you do. Girl, to me, you're a miracle. You're so
much more than material. You're spiritual, beautiful, a miracle, so natural. I love you so. You're beautiful, you're natural. I love you so. Merci Laura, je t'invite à t'asseoir. Donc merci donc, à Laura que nous avons, voilà, on t'a demandé de venir parce qu'on s'est dit aussi être au service des autres. Je pense que dans l'art c'est aussi une réalité et on voulait voilà, avoir un exemple de ce service-là très particulier avec toi. Merci à vous. Je t'en prie, bois. Donc moi j'aimerais, pendant que tu bois, je vais... un petit peu meublé. Je meuble. Est-ce que tu pourras nous décrire ton parcours ? Tu es originaire de Montceau-les-Mines. Tu exerces ton métier notamment à Paris. Et j'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment on part de Montceau-les-Mines pour aller à Paris. C'est assez fréquent hein, chez les jeunes de Montceau-les-Mines qui partent parfois faire leurs études, qui partent travailler. Mais moi, j'aimerais que tu nous racontes le tien, ton parcours. Comment tu as fait ce grand saut ? Alors, comment j'ai fait ce grand saut ? Donc, j'ai démarré la danse ici, à Montceau-les-Mines. J'ai toujours plus ou moins dansé dans ma chambre, apparemment en sortant des toilettes à la maternelle. Voilà. Mais le jour où j'ai été réellement, je pense, piquée, etc., que j'ai vraiment aimé la culture de la danse et que je me suis un peu visionnée plus loin, eh ben, c'était chez Carole Canta, du coup, quand j'avais 7 ans. Qui est professeur au CRC de Montceau-les-Mines aujourd'hui et qui voilà. Continue d'inspirer des filles également. Donc que j'ai suivi pendant bien 12-13 ans, du coup, donc en danse moderne jazz. Entre-temps, j'ai rencontré la culture urbaine et la danse hip-hop à 13-14 ans, aux ateliers du jour avec la compagnie TSN de Chalon-sur-Saône. Donc voilà, j'ai toujours un peu basculé entre le moderne jazz avec Carole, et le hip-hop, etc., etc. Et suite à cela, à 19 ans, j'ai décidé de partir pour la capitale, et je me suis d'abord formée en danse urbaine, donc à la Juste Debout School à Paris. On a le temps, respire. Qui était du coup à l'époque, donc c'est 2014 à peu près, quand je pars, je me forme pendant une année là-bas. Et ensuite, je me forme en tant que danseuse-interprète avec Dominique Lesdema, Gaël Gilleron, voilà, en contemporain, en modern jazz, en classique, etc., etc. Tout en continuant de me former un petit peu à droite, à gauche, en hip-hop, etc., etc. Et du coup, je me permets, Laura, parce qu'on en a parlé un petit peu avant, tu es en train de monter un spectacle qui mêle la danse et le stand-up. Et moi, j'aimerais que tu nous racontes comment on passe de cette envie viscérale de danser à la nécessité de parler et pourquoi ce type de spectacle est assez intéressant, assez inédit. Je sais qu'hier soir il y avait Pietra Gala qui dansait à Montceau-les-Mines, qui est un peu aussi sur cet esprit qui mixe voilà, la danse, l'expression du corps et puis l'expression de la voix. Est-ce que tu peux nous en parler de cette transition là? Bah oui, parce que c'était plus facile de danser, de pas parler, voilà, de laisser libre aux spectateurs de comprendre, de soupçonner, de supposer quel message la danseuse veut transmettre. Donc ça m'a arrangé pendant un temps, et puis là ça m'arrange plus. ça m'embête un peu. Parce qu'il y a des choses qu'on peut pas dire dans la danse. Ouais, il y a des choses. Enfin, je sais pas si c'est qu'on peut pas dire, mais en tout cas moi il y avait des choses que j'avais besoin d'exprimer beaucoup plus clairement, en rapport avec la danse, en rapport avec le métier de la danse aussi, des choses à mettre en lumière.
comme prendre, réellement prendre sa place, en fait. Comme si, en tant que danseuse, voilà, derrière les artistes, etc., ça c'est mon parcours professionnel surtout. Et là, la voix m'a permis de sortir, en fait, parce que les danseuses, on n'entend pas leur voix. Donc on les voit, on voit leur corps, mais qu'est-ce qu'elles ont à dire, en fait, réellement? Et moi, justement, en parlant du corps, c'est le corps est ton outil de travail. On sait que la question du corps féminin, c'est une question extrêmement, éminemment politique. Et moi, du coup, j'aimerais savoir la manière dont tu l'entretiens, finalement, c'est de la même manière, finalement, qu'un sportif de haut niveau. Quelle est ta routine, quel est ton entraînement et quel rapport tu as, justement, avec ce corps comme outil? Bah, c'est vrai que du coup, vu que je me suis formée professionnellement, on s'attend, voilà, on fait notre formation, on a fini, hop, super, on est bon, on est doué, sauf que si pendant 2 semaines, il ne se passe rien, qu'il n'y a pas d'entraînement, etc., bah, le corps, il ne suit plus. Donc en fait, oui, on se forme professionnellement, école, etc., mais c'est un travail de tous les jours, donc c'est mettre le corps en action, c'est aussi savoir à quel moment il faut s'arrêter pour ne pas rentrer dans la zone rouge, pour ne pas se blesser. Mais c'est toujours repousser ses limites, c'est toujours quand même tenter, chercher et lancer la machine tous les jours parce que sans ça, bah après, ça ne suit plus. Donc oui, tous les jours, il faut que le corps soit en mouvement. Est-ce que tu pourrais on va demander un petit peu la même chose à tout le monde, mais nous donner peut-être ton meilleur souvenir en tant que danseuse? Est-ce que tu as une prestation particulière qui t'a marqué, un moment qui t'a marqué plus que les autres? Plus que les autres. Eh bien, je pense que c'est quand je fais mon premier solo à 7 ans à l'Embarcadère avec Carole Quintin. Parce que c'était la première fois qu'on me donnait justement la responsabilité. Vas-y, là, t'as de temps à temps, tu fais ce que tu veux, t'as ton solo, t'es seule sur scène et t'as 7 ans. Donc, ça faisait très peur, mais c'était super cool. Donc, je pense que c'est un moment que j'oublierai jamais ça. Elle continue d'ailleurs d'inspirer toutes les jeunes filles qui sont dans ces cours aujourd'hui. Moi, j'aimerais aussi savoir qu'est-ce qui t'anime vraiment dans ce métier. Est-ce que c'est les autres? C'est le fait de se présenter devant les autres? Est-ce que c'est l'expression particulière que ça implique? Qu'est-ce qui te motive le plus à faire ce métier? Ça a été un peu changeant. Hein, je pense qu'au tout début, dans le métier, ce qui m'a aidé, c'est que ça m'aidait pour me rapprocher de moi, de ma vérité, de mes sensations, de justement ancrer, assumer, s'assumer aussi, se prendre confiance. Parce que quand on est 600 en casting, quand on est devant un jury, qu'on est jugé presque tous les mois, toutes les semaines, il y a un moment donné, si on n'a pas confiance, c'est faut du courage, comme on disait tout à l'heure. Donc malgré le stress, malgré les doutes, les remises en question, toujours en fait dire ouais, ok, je vaux le coup et ça va le faire, je suis capable d'eux, en fait. Je pense j'avais besoin de me dire ouais, je peux le faire, je suis capable. Et après, petit à petit, justement, d'où le rapport à la voix aujourd'hui, la danse a été super, mais c'était aussi une belle manière de pouvoir faire semblant par moment, de pouvoir masquer certaines choses, de pouvoir surjouer certaines choses. Et avec la voix, avec la comédie, avec un public, avec des réactions en face instantanées, on ne peut plus faire semblant. Quand on doit dire les choses clairement, on ne peut plus faire semblant. Quand elles sont entendues clairement, on n'a pas le choix que de réellement assumer de A à Z. Et du coup, voilà, c'est aussi ça qui m'a emmenée... C'est un peu comme la politique, la danse, là-bas. Quel est le conseil que tu donnerais si quelqu'un disait « Bon, bah voilà, je veux faire un métier artistique et j'envisage de monter à Paris. » Est-ce que tu as un conseil que tu aurais aimé recevoir? Notamment pour les jeunes monceliens qui parfois s'imaginent que ce n'est pas possible. Si, c'est possible. La niaque, hein, on y revient. La niaque, ça, le cœur... malgré les moments difficiles, malgré les difficultés, toujours trouver une notion de plaisir. Moi, je pense à partir du moment où il n'y a plus ça, en fait, c'est dommage, quoi. Même si c'est dur, même si c'est des concessions, même s'il faut donner, toujours avoir la notion de joie, de plaisir derrière ça. Donc la niaque, l'envie d'avoir envie. Merci Laura, je sais que ces 2 dernières années ont été très difficiles pour les professions artistiques. J'espère que ça va repartir, j'espère vraiment pour toi en tout cas.
J'espère que ce spectacle que tu es en train de monter, tu viendras nous le jouer peut-être dans le bassin minier, ce serait intéressant. Retrouver l'embarcadère. Retrouver l'embarcadère de tes 7 ans. Et voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. Et je t'invite à rejoindre ta place. Merci beaucoup. Je vais maintenant du coup appeler à la barre Elisabeth Méchien. Je vous invite à nous retrouver. Donc Elisabeth, merci d'avoir accepté notre invitation. Moi, c'était important que vous soyez là parce que je trouve que votre parcours est très intéressant. Vous êtes aujourd'hui aide-soignante. D'ailleurs, je vous félicite parce que vous avez signé votre CDD. Je suis en CDD, oui. Voilà. Bonjour à tous. C'est tout nouveau, donc déjà bravo. Je suis en CDD. Je ne suis pas diplômée aide-soignante. Je suis auxiliaire de vie en EHPAD, mais on fait exactement le même travail qu'une aide-soignante. Voilà, donc voilà, merci d'être là. Et je sais aussi que vous êtes double casquette. Vous êtes aussi maman de 7 enfants. Et voilà, c'est très important pour nous voilà, de vous interroger parce que moi j'aimerais d'abord savoir un petit peu votre parcours, d'où vous êtes partie, comment vous êtes aussi arrivée à Montceau-les-Mines. Je sais que vous n'êtes pas originaire de Montceau-les-Mines. Donc voilà, comment êtes-vous arrivée dans notre ville? Alors je suis arrivée pour un rapprochement familial de mon concubin suite à des difficultés personnelles, le Covid aussi. Ça fait un an qu'on est là. Et en un an, il s'est passé énormément de choses dans ma vie professionnelle. Un métier que je me refusais de faire, aujourd'hui, j'ai la possibilité de le faire. Voilà. On est très contents, en tout cas, pour vous. Moi, j'aimerais vous poser la question, est-ce que, finalement, élever cet enfant, c'est pas aussi un métier à temps plein? Oh, que si. Oh, que si. Il faut toujours courir à droite, à gauche, monter, descendre. Mais... Ma fille rigole, mais un grand bonheur. Voilà. C'est quelque chose dont vous aviez toujours envie d'avoir voilà, autant d'enfants ou... Ah non, moi à 14 ans, je disais je veux pas de gosse. Résultat, j'en avais 7. Voilà. Donc quel âge ont vos enfants pour un petit peu voilà, alors, savoir... Alors ça part de 24 ans, ma grande est maman de 2 enfants, je suis mamie. Ah ça je ne savais pas alors, félicitations. Un grand bonheur. 22 ans, 19 ans, 17 ans, 13 ans, 5 ans et 4 ans. Donc les deux derniers en plus sont tout petits encore. Oui. Donc, est-ce que vous avez déjà eu parfois l'impression peut-être de vous oublier un peu, justement, avec des enfants qui ont aussi des âges assez rapprochés? Est-ce qu'en tant que vous-même, en tant que femme, vous êtes déjà un peu oubliée dans ce long parcours? C'est pas une impression, c'est un vécu, oui. Je me suis mise totalement de côté. Voilà, beaucoup de choses que je rêvais de faire, que je n'ai pas fait, mais sans regret aujourd'hui, parce que c'était pour mes enfants, encore aujourd'hui. Et comme je dis, par rapport au métier que je fais aujourd'hui, c'était une envie. Mais justement, c'était la suite de ma question. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes allée vers un autre métier du soin? Parce que finalement, c'est ce que vous aviez fait. Moi, j'estime qu'être mère comme ça à temps plein, c'est un vrai métier. Est-ce que du coup, voilà, devenir aide-soignante, aller vers les autres, c'était une continuité pour vous finalement? C'était naturel? C'était quelque chose qui vous tenait à cœur? Oui, ça a toujours été un ressenti, aider mon prochain, apporter un sourire, un accompagnement dans leur vie, parce que malheureusement, des fois ils ont besoin d'aide, des fois non, et des fois ils en ont besoin, mais... Ils n'accueillent pas avec plaisir, donc il faut avoir une grande discussion avec eux, dialoguer, plaisanter aussi, dans la limite du possible. Et c'est vrai que pour moi, ce métier, ce n'est même pas un métier, en fait, c'est une passion. J'ai vraiment aimé ce métier. Est-ce qu'il y a une valeur que vous aimez transmettre? Quelque chose qui est vraiment important pour vous et vous vous dites, si je dois transmettre une seule chose à mes enfants, j'aimerais que ce soit cette valeur-là. Persister dans ce qu'on veut faire, ne jamais oublier notre envie de première et toujours essayer de s'en donner les moyens. Même si on doit reculer de temps en temps, un jour ou l'autre, on y arrive. Et du coup, quel a été le déclic pour vous pour reprendre un métier, pour reprendre un travail? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que vous avez décidé ça? Est-ce que c'était un choix? Est-ce que c'était forcé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce que malgré mes 7 enfants, j'ai toujours travaillé.
Quel était du coup le métier d'avant, celui que vous faisiez? Alors, j'ai eu une société d'aide à la personne. Voilà. Je faisais des ménages chez les personnes, j'allais leur faire leurs courses. Ça m'a amené de faire des toilettes alors que je n'étais pas du tout formée pour ça. Après, j'ai eu une petite friperie. Rien à voir, mais toujours pareil. Toujours en conséquence pour aider les personnes qui n'avaient pas beaucoup de revenus comme moi. Voilà. Parce que pour moi, aider mon prochain, en fait, c'est inné. C'est pour ça que je suis venue à la mairie pour faire une demande. Et là, il y a une dame tout à l'heure qui est venue me voir et je pense que ça va aboutir. Oui, je sais bien, vous êtes venue aussi pour apporter votre solidarité au peuple ukrainien. Et bien sûr qu'on répondra en tant que mairie à cela, évidemment. Moi, je voudrais vraiment vous remercier d'être venu. Est-ce que peut-être, de même, il y aura un conseil que vous donneriez à vos enfants, un conseil de vie peut-être, par rapport à votre parcours extrêmement inspirant? Vous avez eu plusieurs casquettes, vous avez élevé 7 enfants, vous avez toujours travaillé. Moi, je trouve que vous êtes un peu une héroïne. Je le dis aussi parce que moi, ma maman a eu 5 enfants, donc je pense que c'est quand même un métier à temps plein et... Ou alors un conseil pour élever cet enfant. Parce que je ne vous cache pas que moi, je ne suis pas parent, ça me paraît... Nous, ça nous paraît un petit peu impossible. Moi, ça comme me paraît ça, hein. Très lointain. Donc. Alors, le premier conseil que je donnerais avec cet enfant, ne rien prévoir à l'avance. Voilà, surtout pas prévoir à l'avance. Ça ne se passe jamais comme prévu? Jamais. Merci beaucoup. Franchement, merci de beaucoup, rien, Elisabeth, merci d'être venue. Merci d'être aussi inspirante. Merci. Nous allons continuer dans ce parcours justement du soin et d'être au service des autres avec Odile Gomet qui va venir nous rejoindre sur le canapé. Je sais qu'Odile, vous êtes un peu stressée, mais je vous assure, on est sympa. On essaye en tout cas. Bonjour. Odile, vous êtes assistante maternelle. C'est ça. On a vu une famille d'accueil avec des enfants petits et grands. On a vu auxiliaire de vie en EHPAD avec des personnes plus âgées. Là, on retombe en enfance avec vous, assistante maternelle. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu exactement quel est votre métier, de qui vous vous occupez? Alors, d'enfants. Bien sûr. Sur certains points, je me retrouvais un peu avec Madame Lott. Sauf que moi, les enfants, je les rends chaque soir. En fait, c'est... Je peux peut-être commencer par mon parcours. Bien sûr, comment... bien sûr. Ouais, je vous embête. Hein. Non, alors, jamais de la vie. Allez. Alors, moi, c'est vrai que je viens aussi d'une famille nombreuse. Je suis dijonnaise d'origine. Une famille modeste, les études c'était pas mon truc non plus. J'ai fini par avoir un métier, ce qui correspond au bac pro actuel en couture, et je suis arrivée sur mon sceau chez Clayeux qui n'existe plus actuellement. Donc j'ai travaillé comme ça et jusqu'à le mariage, les enfants. Venant d'une famille nombreuse, les enfants, j'ai toujours été entourée d'enfants. De toute façon, les cousins, cousines, neveux, Et pour moi, c'était évident que j'allais fonder ma famille, contrairement à certains. Et donc voilà, j'ai eu mes propres enfants, donc j'en ai eu 4, dont un enfant handicapé assez lourd, ce qui fait que je me suis arrêtée de travailler pour m'occuper d'eux à plein temps. Même avec que 4, ça fait un plein temps. On vous croit. Voilà. Et je suis arrivée à ce métier, en fait, quand mon fils handicapé, donc je me suis arrêtée complètement de travailler. Et quand lui est arrivé en IME, que mon dernier s'est retrouvé en maternelle, j'étais plus ou moins au bord de la déprime en me disant « T'es toute seule là, qu'est-ce que tu fais? Faut que tu te rendes utile. » Et que je rende quelque part ce qu'on m'avait apporté par rapport à mes enfants et à tous les besoins que j'avais pu avoir pour ça. Donc, c'était toujours les enfants qui m'attiraient de toute façon. Donc, j'avais le choix. En fait, je m'étais donné 2 choix. Ou être ATSEM, aller en école. Mais comme j'avais pas envie de mettre mon dernier qui n'avait que 3 ans chez une nounou, j'ai dit du coup tu vas être nounou. Voilà. C'est comme ça que j'en suis arrivée là. Donc c'était pour vous, du coup, ça a toujours été une vocation d'aller vers les métiers du soin. Vous n'aviez jamais eu envie d'autre chose, c'était vraiment... Alors, vous avez dit être au service de vous rendre utile. Voilà. C'est ce que vous avez dit. Au niveau de l'enfance, parce que j'ai toujours été attirée par les enfants. Le soin, pas forcément, parce que je tombe dans les pommes facilement, donc je ne pourrais pas être infirmière, vous voyez. Donc c'est vraiment les enfants, l'accueil, parce que moi aussi j'en suis à 18 ans de ce métier, finalement.
J'ai accueilli 35 enfants, donc 27 ou 28 familles, parce que j'ai eu quelques fratries. Ce qui fait, en fait, des métiers différents à chaque fois. C'est l'accueil de parents différents, d'enfants différents. Il faut être à l'écoute des familles, parce que ils nous confient ce qu'ils ont de plus cher au monde. Donc, nous, on est le relais, les parents. Donc, il faut vraiment être à l'écoute. Après, il faut être patient, parce que c'est des enfants. Hein. Donc, on dit qu'il faut rien prévoir. Ben non, il faut rien prévoir, parce que le matin, l'enfant, il est bien, puis 2 heures après, il est malade. Donc, la sortie, hop, c'est fini. Voilà, on est un peu pareil. Et finalement, est-ce qu'être tant responsable des enfants des autres, est-ce que c'est gratifiant ou est-ce qu'il y a trop de pression pour que vous ressentiez ce genre de sentiment? Il ne faut pas penser à la pression parce qu'on ne fait pas ce métier. C'est vrai que c'est une très grande responsabilité, les enfants. Mon mari est menuisier, je lui ai dit un jour, parce qu'il me disait « tu vas t'amuser au parc ». Je lui ai dit « écoute, toi, si tu mets ta porte de meuble à l'envers, eh ben, tu l'enlèves, tu reperces les trous de l'autre côté, puis tu la remets ». Je dis « moi, si j'oublie de donner la main à un enfant, il passe sur la route et il se fait écraser ». Donc il faut pas, mais voilà, il faut pas penser à cette responsabilité, sinon on reste couché. Après, moi, par rapport à Madame Lotte, qui elle, c'est 24 heures sur 24, tous les jours. Moi, je rends les enfants tous les jours. Par contre, on a des horaires très atypiques en fonction des métiers des parents. Quand c'est des parents qui font les 3-8, je peux accueillir des enfants dès 4 heures du matin. Où je peux les avoir jusqu'à 10h ou 10h30 le soir. Donc il faut s'adapter à chaque rythme. Et il faut aussi être en accord avec la famille, parce que je travaille chez moi. Donc quand j'ai commencé, le petit dernier, il avait 3 ans, il a fallu qu'il soit d'accord pour partager un petit peu de ses jouets, un petit peu de son espace vital et un petit peu de sa maman. Et justement, moi, c'est un aspect, je trouve, qui est assez intéressant. Vous êtes chez vous, c'est aussi la maison de vos enfants. Et est-ce que vous avez essayé de faire passer les mêmes valeurs, que ce soit à vos enfants et aux enfants que vous gardiez? Est-ce que finalement vous les éduquez pareil? Oui, parce que sinon, je ne peux pas les élever différents. De toute façon, c'est ce que je ressens moi, que je veux partager, que je veux transmettre. Je ne peux pas transmettre une chose à l'un et autre chose à l'autre. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de beaucoup parler avec les parents avant l'accueil, pour que ça soit cohérent entre nous, que l'enfant ne soit pas partagé entre sa vie chez lui et sa vie chez nous. Il faut qu'il y ait une suite logique, quoi. Voilà. Et justement, en tant que profession assez essentielle, dans un pays qui prône plutôt une politique de famille, une politique nataliste, etc., est-ce que vous vous sentez écouté en tant que profession, dans la globalité? Alors maintenant, c'est vrai que par rapport à mes débuts, on était plus ou moins livrés à nous-mêmes. Maintenant, on a quand même des professionnels qui sont avec nous. On a le relais petite enfance, on a des personnes à l'écoute. Et puis on se retrouve entre nous, on peut parler de certains problèmes. Oui, on est beaucoup plus écoutés. C'est quelque chose qui est assez revenu également dans le métier de Madame Lotte, qui a dû partir, mais voilà, une meilleure écoute avec le temps, des lois qui encadrent mieux votre travail, qui doivent vous soulager. Le respect, on se sent plus reconnu quand même. Au départ, j'étais payée à l'heure. Donc l'enfant ne venait pas, je n'étais pas payée. Maintenant, on est arrivé à une mensualisation, à quelque chose de régulier, un minimum. C'est très important parce que justement la structuration de ces métiers-là permet de sortir beaucoup de femmes de la précarité. Et moi, je voulais vous demander peut-être en dernière question, sauf si bien sûr Paul, tu as une question, mais quel est votre plus beau souvenir en tant qu'assistante maternelle avec un enfant que vous gardiez ou gardez? Ça serait peut-être la première petite fille que j'ai accueillie qui avait à peine 3 mois. Parce que quand j'ai commencé, je vous ai dit, mon dernier avait 3 ans. Je savais que je n'aurais plus d'enfants à moi, mais en même temps, j'étais encore jeune, entre guillemets. Et au départ, je n'ai accepté d'accueillir que des enfants qui avaient plus d'1 an, 1 an et demi, pour ne pas me les approprier et ne pas les élever comme mes propres enfants. Enfin, que je fasse bien la différence et qu'eux aussi, que je les couvre pas en maman poule ou choses comme ça. Et le jour où j'ai accueilli la première petite fille, je me suis dit, ça y est, là, tu es vraiment professionnelle, tu as fait le pas. Ça y est, vous en étiez capable. Voilà, ouais, c'est ça. Merci beaucoup, merci beaucoup merci pour votre parcours. Je vous invite à regagner votre place.
Je vais maintenant appeler Jocelyne Buchalic qui va venir nous lire un texte. Je t'en prie, Jocelyne, installe-toi. Nous te laissons la place. Alors, je vais vous lire un poème d'Aragon qui date de 1954. Et c'est, vous savez, Aragon, c'est un poète surréaliste. Donc, vous allez voir, c'est un petit peu un jeu avec les mots, avec les sons et tout. Mais c'est un poème qu'il a écrit alors que la première guerre du Vietnam venait de s'arrêter. Et c'est une sorte d'hymne à la vie et de très grand espoir pour la paix. Donc, vous savez ce qui se passe en ce moment, pas très loin de chez nous. Je pensais que c'était le moment de vous dire ce poème qui s'appelle « Je dis la paix ». Je dis la paix, pâle et soudaine, comme un bonheur longtemps rêvé, comme un bonheur qu'on croit à peine avoir trouvé. Je dis la paix comme une femme. J'ouvrais la porte et tout à coup, ces deux bras autour de mon âme et de mon cou. Je dis la paix, cette fenêtre qui battit l'air un beau matin. Et le monde ne semblait être qu'odeur du thym. Je dis la paix pour la lumière à tes pas dans cette saison, comme une chanson coutumière à la maison. Pour les oiseaux et les branchages verts et noirs au-dessus des eaux, et les alevins qui s'engagent dans les roseaux. Je dis la paix pour les étoiles, pour toutes les heures du jour, aux tuiles des toits et pour toi l'ombre et l'amour. Je dis la paix aux jeux d'enfance. On court, on saute, on crie, on rit, on perd le fil de ce qu'on pense dans la prairie. Je dis la paix, mais c'est étrange ce sentiment de peur que j'ai, car c'est mon cœur même qui change, léger, léger. Je dis la paix, vaille que vaille, précaire, fragile et sans voix. Mais c'est l'abeille qui travaille sans qu'on la voie. Rien qu'un souffle parmi les feuilles, une simple hésitation, un rayon qui passe le seuil des passions. Elle vacille, elle est peu sûre, comme un pied de convalescent encore écoutant sa blessure, son sang récent. La guerre a relâché ses rênes. La guerre a perdu la partie. Il en reste un son sourd qui traîne mal amorti. Ce sont les chars vers les casernes qui font encore un peu de bruit. Nous danserons dans les luzernes jusqu'à minuit. Tu vas voir, demain tu vas voir, les écoliers dans les préaux, en ce beau temps à ne plus croire la météo. On va bâtir pour la jeunesse des maisons et des jours heureux, et les amours viendront que naissent leurs fils nombreux. On reconstruira par le monde les merveilles incendiées. La vie aura la taille ronde sans mendier. Enfin, veux-tu que j'énumère les Versailles que nous ferons, les airs peuplés par les chimères de notre front et l'immense laboratoire où les miracles sont humains et la colombe de l'histoire entre nos mains. Je sais, tout est à faire dans ce siècle où la mort campait. Et va voir dans la stratosphère si c'est la paix. Éteint ici, là-bas qui couve, le feu court. On voit bien comment quelqu'un toujours donne à la louve un logement. Quelqu'un, toujours, quelque part, rêve sur la table d'être le point et sous le manteau de la trêve, il fait le point. Je sais ce qu'on peut dire et le danger d'être endormi, l'homme au zénith et le navire à l'ennemi. Je sais, mais c'est la paix quand même, le recul du monstre devant ce que je défends, ce que j'aime toujours vivant.
C'est la paix dont les peuples savent obscurément, tous, plus ou moins, contre le maître et pour l'esclave qu'elle est témoin. C'est la paix des peuples, où sourd l'eau profonde des libertés. C'est aux sciences des tambours pour le mai planté. C'est la paix et couleur de la fleur où le meurtre porte son nom, à qui le voile de l'aveugle dit non. C'est la paix qui force le crime à s'agenouiller devant l'aveu et qui crie dans les... Pardon. Et qui crie avec les victimes, cessez le feu. Alors, nous allons continuer notre journée, notre après-midi avec Madame Mireille Mollard. C'est tout bon. Merci d'être venue. Merci d'être venue. Alors, il faut qu'on éclaircisse un point avant de commencer. Votre mari Jean-Paul, que j'adore, vous appelle souvent Mère Teresa. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait avoir une explication de parcours ou... C'est ça, parce que j'aide beaucoup les gens. J'aime aider les gens et je fais du bénévolat. D'accord, donc... Quel type de bénévolat ? On Alors, sait, mais nous, on sait. Mais... Le nouveau thème, c'est l'aide aux devoirs. Donc, l'aide aux devoirs, c'est très, très important pour les jeunes enfants, parce que les parents n'ont pas toujours le temps de s'en occuper. Les enfants posent souvent le cartable, et puis, ben voilà, on ne fait pas les devoirs. Et on n'est pas là pour remplacer, je ne suis pas là pour remplacer ni les parents, ni les mamies, ni les instituteurs ou institutrices. Je suis là juste pour leur apporter un soutien qui dure environ une heure. Donc ça, j'y vais le mardi et le jeudi, donc 2 heures par semaine. Et pour moi, le bénévolat, ça a toujours été quelque chose pour moi qu'il fallait que je fasse. J'ai mon parcours, professionnel. Donc, j'ai commencé à 16 ans de travailler dans la vente. Et 10 ans plus tard, je me suis retrouvée auprès des personnes âgées. Donc, j'ai fait un petit peu tous les métiers et j'ai fini par être directrice d'une résidence pour personnes âgées. Alors, comment on passe de vendeuse à travailler avec des personnes âgées ? Alors, j'ai... Parce que c'est quand même atypique. Oui, c'est atypique. C'est-à-dire que mon président, qui était, pour ne pas le citer, Monsieur Malot, que tout le monde connaît ici, m'avait toujours dit, si un jour vous n'avez plus de travail, venez me voir et puis on essaiera de trouver. Donc c'était au mois de mai, et là, c'est les vacances. Donc j'ai fait un petit peu tous les métiers, accueil, assistante d'un docteur, suivre les aides à domicile, enfin voilà. Et pour moi, après, j'étais à l'Economa, donc tout ce qui était restauration. Et on discutait beaucoup avec les personnes âgées et j'aimais beaucoup m'occuper d'eux. Et ça a toujours été quelque chose pour moi de m'occuper d'eux, aussi bien après mes heures de travail, parce que voilà, on a des heures de travail, mais après, c'est du bénévolat. Donc j'ai toujours aidé les gens. Les personnes âgées et leurs familles, parce que les familles souvent se disent culpabilisées de laisser les parents dans une résidence, ce qui n'est pas le cas. En fait, il faut être auprès des gens, il faut aimer les gens pour faire ce métier. Et donc cet amour, on peut le retrouver donc dans votre nouvelle mission, voilà. Donc l'aide aux devoirs. Voilà. À quel moment, pourquoi est-ce que vous êtes dit, allez, il faut que j'y aille, j'ai envie de faire cette activité. C'est-à-dire, on m'a proposé de faire de l'aide aux devoirs, j'ai accepté tout de suite, c'était avec le conseil des sages, donc j'ai accepté tout de suite. L'année dernière, c'était à l'école de la Bruyère, cette année, c'est l'école Jean Jaurès. On a des petits-enfants qui ont envie de travailler, qui ont envie de s'en sortir, mais qui parfois, je vous dis, les familles n'ont pas toujours le temps, et de par leur travail, leur emploi chargé, donc nous, on est là pour les aider. Combien vous avez d'enfants à peu près ? Alors, l'année dernière, j'avais 4 enfants. Cette année, j'en ai 2 le mardi et 3 le jeudi. Et ça me va très bien. S'il y en a plus, je vais continuer. Alors, quelle est la matière que vous préférez leur enseigner et au contraire celle où vous êtes un peu plus
Voilà. On a tous nos qualités et nos faiblesses. Donc, Alors, la lecture, c'est important pour eux. Et alors, apprendre à écrire les mots sans faute d'orthographe, ça, c'est important, très, très important. Je leur fais écrire une fois, deux fois, trois fois. Je leur fais épeler pour qu'ils emmagasinent bien tout ce qu'ils ont écrit. Et on arrive à des résultats importants. Je pense qu'on est arrivé l'année dernière à de bons résultats. Eh bien, tant mieux. Est-ce que vous pourriez nous donner quelque chose qui, selon vous, était une valeur que vous avez, qui a été importante dans votre parcours, dans votre réussite? Enfin, alors, une valeur où vous diriez « j'aimerais qu'on retienne ça de moi ». Alors, ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, c'est que dans mon métier, je parle toujours de mon métier, mais auprès des personnes âgées, je crois que j'ai été toujours, toujours, toujours présente. Et c'est pour ça que mon mari m'appelle Mère Teresa, parce que lui, il attendait à la maison, et puis moi, j'étais auprès des personnes âgées, voilà. Donc, c'est important pour moi. D'accord. Mais écoutez, merci beaucoup. Ce qui était important pour moi l'année dernière, c'est que les petits jeunes étaient contents, mais j'en ai un qui, à la fin de chaque séance, me disait « Ah, Mireille, oh ben, qu'est-ce qu'on a bien travaillé aujourd'hui ?» Alors ça, c'était une satisfaction personnelle et c'était plus qu'un salaire. Parce que le bénévolat, enfin, j'insiste, mais le bénévolat, c'est sans rémunération. Et ça, c'est important de le dire. Et le bénévolat, il n'est pas toujours bien perçu par les gens, parce que souvent on est critiqué, souvent on se dit « Ah, le bénévolat, oh ben oui, ils viennent passer un peu de temps comme ça. » Mais non, c'est un investissement, c'est un gros investissement. De par le temps qu'on va y passer, on est plus présent auprès de notre famille. Et ça, c'est très important de le souligner. Et je pense qu'on a fait du bénévolat aussi auprès de certaines institutions qui parfois, ben, comme la pandémie, c'était quelque chose d'important. Et on nous a demandé si on pouvait être présent au centre de vaccination. On a été nombreux à y répondre. Et là, je pense que aussi on les a aidés. Alors, administrativement, hein, pas pour piquer, parce que là, je ne suis pas capable, mais administrativement, on était présents et je pense que ça les a soulagés. En tout cas, merci pour votre engagement. Bah, je m'excuse, Paul, de te couper. Mais ne t'inquiète pas. Justement, quand on mène comme ça une vie au service des autres, qu'est-ce qu'on fait pour soi? Qu'est-ce qu'on fait pour soi? Quelle est votre passion? Quel est votre hobby en dehors de ce bénévolat? Alors, déjà, de m'occuper de mes petits-enfants. Parce que j'ai deux petites filles bon, qui commencent à être grandes, mais j'en ai un qui habite malheureusement pas ici, qui habite en Allemagne, et un deuxième qui va arriver. Donc ben, les parents nous appellent aussi. On n'est pas là dans l'heure qui suit, mais quand même, on est présent pour eux. Donc ça, c'est très important, être auprès de mon mari, le soutenir aussi dans ses associations dont il fait partie, et d'entourer tous les miens. Ben, encore une vie au service des autres. Merci et merci Mireille Mollard. Merci à vous. Je vous invite à rejoindre votre place. Alors, l'invitée suivante, on va rester dans le Conseil des sages, puisque j'ai le plaisir d'accueillir sa présidente, Madame Marie-Jo Pichard. Donc, moi, je n'ai pas eu droit aux questions par téléphone. Non, on a... Je ne sais pas ce qui m'attend. On a mis deux, trois pièges comme ça au milieu. Mais en même temps, à chaque fois qu'on fait une journée de ce type, on invite Marie-Jo Pichard. Donc, oui, forcément, moi, je considère qu'elle est entraînée. Donc, pas vraiment. Donc maintenant, quelles questions te poser? Je ne sais pas. Vas-y. Alors, donc, aujourd'hui, on est le 6 mars. Oui. On est le 6 mars et tu es venue avec un de tes petits-enfants. Oui, je suis venue avec Gabriel. Gabriel, tu peux te lever, s'il te plaît? Gabriel, est-ce que tu sais quel jour on est aujourd'hui? Qu'est-ce qui rend ce jour particulier et spécial? Oui. C'est la fête des grands-mères. Donc, alors, Marie-Jo, vu qu'on t'a déjà questionné plein de fois sur ton rôle de présidente du Conseil des sages, est-ce qu'aujourd'hui tu accepteras un entretien plutôt orienté grand-mère? Oh, pourquoi pas. Surtout, combien est-ce que tu as de petits-enfants? Donc, j'ai 8 petits-enfants. Voilà, donc on a quand même une certaine expérience. Alors, donc, qu'est-ce que tu as retrouvé dans ta,
dans toute ta carrière, qu'est-ce qui t'aide aujourd'hui à élever ces... Alors, les élever n'est pas le mot, parce que je ne suis pas leur maman, je ne suis que la grand-mère. Mais dans une vie antérieure, j'ai fait un jour une formation à l'écoute. Et cette formation m'a permis de comprendre mes petits-enfants beaucoup mieux, parce qu'au lieu de leur donner des conseils, je les ai écoutés et je suis allée vers leurs besoins. Vraiment. Voilà. D'accord, tu confirmes ? Oui. Alors, s'ils devaient retenir une seule valeur que tu leur as inculquée, qu'est-ce que ce serait ? Bon, alors je souris parce qu'on en a dit deux mots tout à l'heure et j'ai dit qu'au cours de l'oraison funèbre, je ne voudrais pas qu'on entende juste dire « ma grand-mère nous faisait des gâteaux ». Parce que je pense que pour mes... Alors, c'est important, bien sûr. On l'entend à tous les enterrements. Mais pour moi, je pense que je leur apporte autre chose. À mes petites filles, je leur ai appris le sens de la vie, à côté de leurs parents, jamais plus, à se respecter, à faire respecter leur corps, à devenir des jeunes femmes autonomes. Et je pense que c'est important. Évidemment, avec les jeunes hommes, je n'ai pas vraiment le même discours. Mais en même temps, je leur apprends ce qu'est la vie, se tenir dans la vie. Et j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont rappelé ce que je leur dis souvent. Qu'est-ce que je te dis souvent ? Qu'il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas être jaloux. Respecter les gens. Oui. Respecter les gens. Respecter la hiérarchie. Respecter la hiérarchie. Moi, j'ai quand même une question pour toi. Il est très... Gabriel respecte beaucoup la hiérarchie. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est pas moi qui l'ai dit. On voit tout de suite le lien familial. Hein, moi, Gabriel, j'ai quand même une question pour toi. Est-ce que ces gâteaux sont quand même bons ? Ah oui. Bon ben ça va, tout n'est pas perdu. Non mais enfin voilà, je ne voudrais pas qu'on retienne que ça. Donc on peut considérer quand même que tu es une femme d'engagement, parce que tu peux peut-être nous refaire un petit peu ton parcours, mais bon, il y en a quand même beaucoup, hein, dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, ben, j'ai déjà été une maman de 4 enfants au départ. J'ai été exploitante agricole avec mon mari, chef d'exploitation en commun, donc il y a des... On peut travailler avec son mari, même si ça n'a pas duré très très longtemps, parce qu'après je suis partie travailler à l'extérieur, parce que le salaire à l'extérieur était plus important que ce qu'on retirait sur l'affaire. J'ai fait cette démarche-là quand les enfants sont partis en études. Et après, je me suis lancée dans une fonction, on va dire, d'église. J'ai été... 10 ans salariée par l'église pour former des catéchistes et faire le catéchisme aux enfants. Après, j'ai soufflé un peu parce que... Voilà. Et on m'a demandé d'être responsable en EHPAD. J'ai été aumônier d'EHPAD pendant 7 ans. Et là, c'est vrai qu'on apprend l'humilité. Au contact des personnes âgées, on se sent petit. Alors, il se trouve qu'on a une aumônier qui va venir après toi. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu as vraiment apprécié dans ce métier ? Comme ça, ça nous permettra d'avoir un petit comparatif avec notre intervenante qui arrivera un peu plus tard. Déjà, j'ai été fort surprise de retrouver Caroline, qui, entre-temps, avait changé de nom. Donc, voilà. Et quand je l'ai aperçue tout à l'heure sur les marches de la mairie, j'ai été super contente parce que c'est une partie de ma vie qui a été... je redis le mot, importante pour moi, vraiment. Et le contact des personnes âgées, moi, c'était dans un cadre où, ma foi était aussi en jeu. Et il y a une façon bien particulière de faire passer ce message à nos personnes âgées sans brandir une croix, comme on le croit souvent.
et sont voilà, invoquer Dieu à toutes les portes. Mais les gens savent pourquoi on est là et ils nous attendent vraiment avec impatience. Marie-Jo, merci beaucoup pour cet entretien. Merci. On te revoit l'année prochaine, je suppose. Il faudra changer de thème, puis peut-être me marquer les questions à l'avance. Oui, on te briefera. Alors, maintenant, on va faire un peu le grand écart, puisqu'on passe du Conseil des sages au Conseil des jeunes. Donc, Méline va nous lire un très joli texte. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Méline Grespon, je suis au Conseil municipal jeunes. Et je vais vous lire une partie, quelques extraits, de la plaidoirie prononcée par Gisèle Halimi pendant les procès de Bobigny, où elle défendait Marie-Claire Chevalier, qui, après avoir été victime d'un viol, a été traînée en justice pour avoir avorté, ce qui était à l'époque un délit. C'est une plaidoirie qui a permis d'ouvrir un peu les portes à Simone Veil plus tard. Donc c'est un texte très important pour moi et qui est très inspirant. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, je ressens avec une plénitude jamais connue à ce jour un parfait accord entre mon métier qui est de plaider, qui est de défendre, et ma condition de femme. Je ressens donc au premier plan, au plan physique, il faut le dire, une solidarité fondamentale avec ces quatre femmes et avec les autres. Ce que j'essaie d'exprimer ici, c'est que je m'identifie précisément et totalement avec Madame Chevalier et avec les trois femmes présentes à l'audience, avec ces femmes qui manifestent dans la rue et avec ces millions de femmes françaises et autres. Elles sont ma famille, elles sont mon combat et elles sont ma pratique quotidienne. Si je ne parle aujourd'hui, messieurs, que de l'avortement et de la condition faite à la femme par une loi répressive, une loi d'un autre âge, c'est moins parce que le dossier nous y contraint que parce que cette loi est la pierre de touche de l'oppression qui frappe les femmes. C'est toujours la même classe, celle des femmes pauvres, vulnérables économiquement et socialement, cette classe des sans-argent, des sans-relations, qui est frappée. Voilà 20 ans que je plaide, messieurs, et je pose à chaque fois la question, et j'autorise le tribunal à m'interrompre s'il peut me contredire. Je n'ai encore jamais plaidé pour la femme d'un haut commis de l'État, pour la femme d'un médecin célèbre, ou d'un grand avocat, ou même d'un PDG de société, ou pour la maîtresse de ces mêmes messieurs. Je pose la question, cela s'est trouvé dans une enceinte de justice ou ailleurs, vous condamnez toujours les mêmes. Pourquoi ne pratique-t-on pas l'éducation sexuelle dans les écoles, puisqu'on ne veut pas de l'avortement ? Pourquoi ne commence-t-on pas par le commencement ? Parce que nous restons fidèles à un tabou hérité de nos civilisations judéo-chrétiennes, qui s'oppose à la dissociation de l'acte sexuel et de l'acte de procréation. Ils sont pourtant deux choses différentes. Ils peuvent être tous les deux actes d'amour, mais le crime des pouvoirs publics et des adultes est d'empêcher les enfants de savoir qu'ils peuvent être dissociés. Deuxième responsabilité, l'accusation, je lui demande, peut-elle établir qu'il existe en France une contraception véritable, publique, populaire et gratuite ? Je ne parle pas de la contraception gadget, de la contraception clandestine qui est la nôtre aujourd'hui. Je parle d'une véritable contraception. Je dois dire que j'ai cru comprendre que même la contraception était prise à partie dans ce débat. Je dois dire qu'il m'est arrivé de parler à plusieurs reprises de ce problème, publiquement. J'ai eu face à moi des hommes d'église. Même eux n'avaient pas pris cette position. La contraception, à l'heure actuelle, c'est peut-être 6 ou 8% des femmes qui l'utilisent. Dans quelle couche de la population ? Dans les milieux populaires, c'est 1%. Voulez-vous contraindre les femmes à donner la vie par échec, par erreur, par oubli ? Est-ce que le progrès de la science n'est pas précisément de barrer la route à l'échec, de faire échec à l'échec, de réparer l'oubli, de réparer l'erreur ? C'est cela, me semble-t-il, le progrès. C'est barrer la route à la fatalité et par conséquent à la fatalité physiologique. Quand la femme, avec l'ère industrielle, devient travailleur, elle est bien sûr une... nous n'oublions pas cette analyse fondamentale, exploitée, comme les autres travailleurs. Mais à l'exploitation dont souffre le travailleur s'ajoute le coefficient de surexploitation de la femme par l'homme, et cela dans toutes les classes. La femme est plus qu'exploitée, elle est surexploitée. Et l'oppression, Simone de Beauvoir le disait à la barre tout à l'heure, n'est pas seulement
celle de l'économie. Elle n'est pas seulement celle de l'économie, parce que les choses seraient trop simples. Et on aurait tendance à schématiser, à rendre globale une lutte qui se doit, à un certain moment, être fractionnée. L'oppression est dans la décision, vieille de plusieurs siècles, de soumettre la femme à l'homme. Ménagère ou courtisane, disait d'ailleurs Proudhon, qui n'aimait ni les juifs ni les femmes. Pour trouver le moyen de cette soumission, messieurs, comment faire ? Simone de Beauvoir vous l'a très bien expliqué. On fabrique à la femme un destin biologique, un destin auquel aucune d'entre nous n'a le droit d'échapper. Notre destin à toutes, ici, c'est la maternité. Un homme se définit, existe, se réalise par son travail, par sa création, par l'insertion qu'il a dans le monde social. Une femme, elle, ne se définit que par l'homme qu'elle a épousé et les enfants qu'elle a eus. Telle est l'idéologie de ce système que nous récusons. Savez-vous, messieurs, que les rédacteurs du Code civil, dans leur préambule, avaient écrit ceci, et c'est tout le destin de la femme, « La femme est donnée à l'homme pour qu'elle fasse des enfants. Elle est donc sa propriété comme l'arbre à fruits et celle d'un jardinier. » Certes, le Code civil a changé, et nous nous en réjouissons, mais il est un point fondamental, absolument fondamental, sur lequel la femme reste opprimée, et il faut ce soir que vous fassiez l'effort de nous comprendre. Nous n'avons pas le droit de disposer de nous-mêmes. S'il reste encore au monde un cerf, c'est la femme, c'est la serve, puisqu'elle comparaît devant vous, messieurs, quand elle n'a pas obéi à votre loi, quand elle avorte. Comparaître devant vous, n'est-ce pas déjà le signe de la plus certaine de notre oppression ? Pardonnez-moi, messieurs, mais j'ai décidé de tout dire ce soir. Regardez-vous et regardez-nous. Quatre femmes comparaissent devant quatre hommes. Et pour parler de quoi ? De sonde, d'utérus, de ventre, de grossesse et d'avortement. Croyez-vous que l'injustice fondamentale et intolérable n'est pas déjà là ? Ces quatre femmes devant ces quatre hommes, ne croyez-vous pas que c'est là le signe de ce système oppressif que subit la femme ? Comment voulez-vous que les femmes puissent avoir envie de faire passer tout ce qu'elles ressentent jusqu'à vous ? Elles ont tenté de le faire, bien sûr, mais quelle que soit votre bonne volonté pour les comprendre, et je ne la mets pas en question, elles ne peuvent pas le faire. Elles parlent d'elles-mêmes, elles parlent de leur corps, de leur condition de femme. Et elles en parlent à quatre hommes qui vont tout à l'heure les juger. Cette revendication élémentaire, physique, première, disposer de nous-mêmes, disposer de notre corps, quand nous la formulons auprès de qui ? Auprès d'hommes. C'est à vous que nous nous adressons. Nous vous disons, nous les femmes, nous ne voulons plus être des serves. Est-ce que vous accepteriez, vous messieurs, de comparaître devant des tribunaux de femmes parce que vous auriez disposé de votre corps ? Cela est démentiel. Acceptez que nous soyons à ce point aliénés. Accepter que nous ne puissions pas disposer de notre corps, ce serait accepter, messieurs, que nous soyons de véritables boîtes. Des réceptacles dans lesquels on sème par surprise, par erreur, par ignorance, dans lesquels on sème un spermatozoïde. Ce serait accepter que nous soyons des bêtes de reproduction sans que nous ayons notre mot à dire. L'acte de procréation est l'acte de liberté par excellence. La liberté, entre toutes les libertés, la plus fondamentale, la plus intime de nos libertés. Et personne, comprenez-moi messieurs, personne n'a jamais pu obliger une femme à donner la vie quand elle a décidé de ne pas le faire. En jugeant aujourd'hui, vous allez déterminer à l'égard de l'avortement et à l'égard de cette loi et de cette répression. Et surtout, vous ne devez pas esquiver la question qui est fondamentale. Est-ce qu'un être humain, quel que soit son sexe, a le droit de disposer de lui-même ? Nous n'avons plus le droit de l'éviter. J'en ai terminé, et je prie le tribunal d'excuser la longueur de mes explications. Je vous dirai seulement encore deux mots. A-t-on encore, aujourd'hui, le droit en France, dans un pays que l'on dit civilisé, de condamner des femmes pour avoir disposé d'elles-mêmes, ou pour avoir aidé l'une d'entre elles à disposer d'elles-mêmes ? Ce jugement, messieurs, vous le savez, je ne fuis pas la difficulté, et c'est pour cela que je parle de courage. Ce jugement, ce relax, sera irréversible. Et à votre suite, le législateur s'en préoccupera. Nous vous le disons, il faut le prononcer, parce que nous, les femmes, nous, la moitié de l'humanité, nous sommes mises en marche. Je crois que nous n'accepterons plus que se perpétue cette oppression. Messieurs,
Il vous appartient aujourd'hui de dire que l'ère d'un monde fini commence. Merci. Take another walk out of your fake world. Please put all the drugs out of your head. You see that you can breathe without no backup. So much that you got to understand. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lily, no, there's still a place for people like us. The same blood runs in every head. You see, it's not the wings that make the angel. You just have to move the bats out of your head. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lily, easy as a kiss, we'll find an answer. Put all your fears back in the shade. Oh, don't become a ghost without no color. 'Cause you're the best paint life ever made. For every step in any walk, any town of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Merci beaucoup Alexis. Alors nous avons le plaisir maintenant d'accueillir notre dernière intervenante du jour, du moins de cette partie interview, Madame Caroline de Dinochin. Si vous voulez, excusez-moi. C'est bon, il est allumé. Merci à vous de m'accueillir. Alors on vous a fait venir parce que c'est vrai que vous avez un parcours qui est quand même plutôt atypique. Donc est-ce que vous pourriez nous le résumer dans les grandes lignes ? Alors j'ai été pendant plus de 15 ans architecte d'intérieur en agence, puis en freelance. Et depuis maintenant 9 ans, je suis auprès de la vulnérabilité, du grand âge, de la fin de vie. Je suis l'aumônier du centre hospitalier d'Autun et de son EHPAD. Alors déjà, donc moi c'est ma première question. Est-ce qu'il y a un féminin à aumônier ? Est-ce qu'on peut dire aumônière ou est-ce que c'est aumônier ?
Alors voilà, oui, on dit souvent aumônière, tiens, voilà l'aumônière, on va appeler l'aumônière à l'hôpital, mais je préfère aumônier. D'accord, bah je vais m'y tenir. C'est la journée de la femme et j'en suis désolée, mais parce que l'aumônière est une petite crêpe, j'ai pas du tout envie d'être une petite crêpe ou une petite bourse, et je n'ai pas non plus envie d'être une petite bourse. Alors, comment est-ce qu'on passe d'architecte d'intérieur à aumônier? Oui, est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce qu'il y a une opportunité? Comment est-ce que... Voilà, c'est vrai que ce travail auprès de la fragilité ne relève absolument pas de mes compétences premières, ni de mes appétences premières, hein, il faut bien l'avouer. La souffrance, à 20 ans, me faisait peur. Mais il m'est arrivé au cours de ma vie, deux épisodes assez marquants. J'ai été appelée à accompagner deux personnes qui venaient de perdre leur enfant, alors évidemment à deux moments différents de la vie, et je me suis posé la question de ce qu'on pouvait trouver en moi qui pouvait apporter ce réconfort tant recherché, ce que je pouvais avoir qui permettait d'aider ces personnes à traverser cette épreuve. Alors justement, c'est vrai que, alors moi pour être honnête, je connais très mal votre métier, mais c'est vrai que bon, vous êtes quand même dans des contextes qui ne sont pas joyeux. Non, on peut penser... Et pourtant, vous avez l'air très joyeuse. Alors comment est-ce que vous faites pour gérer ces situations délicates, pour accompagner les personnes sans pour autant que ce soit dans une atmosphère... Oui, c'est vrai qu'on pourrait penser que je suis du côté de la morbidité finalement. Eh bien non, je suis du côté de la vitalité. Enfin, c'est comme ça que je définis ce job, cette mission. J'entendais parler de mission aussi au début de notre journée, de notre après-midi. En fait, c'est un travail au départ de relation, c'est-à-dire que j'entre en relation avec quelqu'un, avec celui qui va rentrer à l'hôpital ou celui qui va rentrer en EHPAD. J'approche la personne. Alors évidemment, entrer en relation réellement, ça n'est pas parler de la pluie et du beau temps ou du dernier match de foot. C'est quelque chose qui a attrait, qui est en accord avec l'intime. Voilà, je vais rentrer en relation avec quelqu'un, m'approcher de son intimité, entre guillemets, pour que cette personne puisse se sentir « secure », comme on dit, puisse se sentir en sécurité. Quand une personne rentre à l'hôpital, quand elle rentre en EHPAD, elle a besoin de se sentir en sécurité. Voilà. Donc c'est un travail de relation qui sécurise. C'est aussi un travail de présence. Voilà, c'est la présence, c'est une attitude particulière, hein, qui dépasse les mots, qui va dépasser aussi le geste culturel ou religieux, comme on pourrait le penser. C'est une attitude, une disponibilité totale à l'autre, qui permet à l'autre, en fait, de se restaurer, d'exister, de se sentir plus vivant, de retrouver peut-être sa dignité qu'il a perdue en rentrant à l'hôpital ou en EHPAD, de lui permettre d'advenir quelque part, de naître. Parfois, la personne est plus vivante qu'elle n'a jamais été. Et donc, par rapport à ces situations, qui peuvent parfois être quand même assez, assez tristes ou un peu désespérées, est-ce que vous arrivez à garder une certaine distance? Ou au contraire, est-ce que vous vous ouvrez... est-ce que vous arrivez justement à faire un peu la part des choses? Ou comment est-ce que vous gérez ça? Oui, en effet, c'est un travail de l'écoute avec tous nos sens, avec nos yeux, avec nos oreilles, avec parfois le toucher. Donc on ouvre tous les écoutilles. Mais voilà, il faut en effet apprendre, ça c'est tout un travail que j'ai appris au fil de ces années, à prendre du recul par rapport à l'autre. L'autre n'est pas ce que je suis, n'est pas moi. Et même si je suis dans ce dépouillement de moi-même pour écouter l'autre, je ne peux pas m'annihiler totalement non plus et rester ce que je suis. Et justement, quand on a fait face à des situations difficiles dans la journée, on rentre chez soi le soir, comment on laisse la peine derrière soi? Est-ce que vous avez des petits tips, des choses que vous faites toujours pour essayer de passer à autre chose? Ça y est, je suis chez moi, je suis sortie. Oui, en effet, j'ai des sas de décompression, j'appelle ça, des sas de décompression. Alors, je médite beaucoup, je fais beaucoup de sport aussi. Donc, j'ai beaucoup apprécié la danse, j'ai beaucoup dansé quand j'étais jeune. Donc, je fais beaucoup de sport qui me permet en effet de relâcher la pression, parce que c'est un travail
On est bien souvent sous pression. Je me promène. La nature aussi fait beaucoup de bien. Voilà, ce sont tous mes petits sas qui me permettent de décompresser. Qu'est-ce que vous... Donc on a compris que vous aimiez quand même beaucoup votre métier. Est-ce que vous pouvez nous donner quand même, on va dire, des points positifs et des points négatifs à votre activité? Alors, c'est un métier qui a vraiment donné du sens à mon existence, c'est évident. Le travail en architecture d'intérieur était la légèreté, la créativité. J'ai adoré agencer des espaces, des volumes, utiliser des matières, etc. Là, on est dans un agencement de l'intérieur humain, donc c'est quelque chose de tout autre. Mais ça a un réel sens. Et ça m'a permis peut-être aussi de me découvrir moi-même, de découvrir mes propres fragilités et de les accepter. C'est un travail qui m'a grandi, qui m'a fait grandir en humanité aussi. Voilà, malgré en effet ces difficultés, je ne peux le nier. Moi, je voulais savoir, pour ma dernière question, est-ce que on trouve du rire auprès des personnes qui sont en fin de vie ? Est-ce qu'on arrive encore à faire sourire, à faire rire ? Je ne dirais pas qu'on puisse trouver du rire, mais oui, trouver le sourire, on peut le trouver. Une larme sur une joue, en fin de vie, une dernière parole de vie aux proches qui sont là dans la chambre, un geste aussi d'un père envers son fils, qu'il n'avait pas revu depuis un certain temps. Tout ça, en effet, est très beau et relève de la vie, de la vitalité et de la joie. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous. Alors, donc, on a eu une invitée qui ne voulait pas qu'on l'appelle aumônière. Eh bien, on va avoir une invitée qui ne veut pas qu'on l'appelle mairesse. Donc, Madame le maire... Si vous souhaitez venir faire votre intervention. Je vais vous lire, d'abord bonjour à vous toutes et à vous tous, je vais vous lire un extrait du discours de Simone Veil en 74 à l'Assemblée nationale. Mais avant de vous lire un extrait, un court extrait, je voudrais... citer Simone Veil dans le cadre de son intervention, mais ça aurait été trop long d'aller jusque-là, et commencer par cela. Je la cite. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt avec gaieté de gaieté de cœur, à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, nous étions en 74, qui s'en préoccupent. La loi les rejette, non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent, elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Je vais maintenant vous lire cet extrait. Le 26 novembre 1974, Simone Veil se présente à l'Assemblée nationale pour défendre une loi qui fera histoire. Face à un hémicycle composé essentiellement d'hommes, elle porte le texte ouvrant l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Une loi historique et un discours qui a marqué les esprits. Le texte sera adopté le 20 décembre 1974 et entrera en vigueur le 19 janvier 1975. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé,
femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun des Françaises. Et en plus, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble. Mais c'est aussi avec la plus grande conviction que je défendrai un projet longuement réfléchi et délibéré pour l'ensemble du gouvernement. Un projet qui, selon les termes mêmes du président de la République, qui a pour objet de mettre fin à une situation de désordre et d'injustice et d'apporter une solution mesurée et humaine à un des problèmes les plus difficiles de notre temps. Si le gouvernement peut aujourd'hui vous présenter un tel projet, c'est grâce à tous ceux d'entre vous, et ils sont nombreux et de tous horizons, qui depuis plusieurs années se sont efforcés de proposer une nouvelle législation mieux adaptée au consensus social et à la situation de fait que connaît notre pays. Pourtant, d'aucuns s'interrogent encore, une nouvelle loi est-elle vraiment nécessaire? Pour quelques-uns, les choses sont simples. Il existe une loi répressive, il n'y a qu'à l'appliquer. D'autres se demandent pourquoi le Parlement devrait trancher maintenant ses problèmes. Nul n'ignore que depuis l'origine, et particulièrement depuis le début du siècle, la loi a toujours été rigoureuse parce qu'elle n'a été que peu appliquée. En quoi les choses ont-elles donc changé qui oblige à intervenir? Pourquoi ne pas maintenir le principe et continuer à ne l'appliquer qu'à titre exceptionnel? Pourquoi consacrer une pratique délictueuse et ainsi risquer de l'encourager? Pourquoi légiférer et couvrir ainsi le laxisme de notre société? Favoriser les égoïsmes individuels au lieu de faire revivre une morale de civisme et de rigueur? Pourquoi risquer d'aggraver un mouvement de dénatalité dangereusement amorcé au lieu de promouvoir une politique familiale généreuse et constructive qui permette à toutes les mères de mettre au monde et d'élever les enfants qu'elles ont conçus? Parce que tout nous montre que la question ne se pose pas du tout en ces termes. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui chaque année mutilent les femmes de ce pays, qui bafouent nos lois et qui humilient et traumatisent celles qui y ont recours. L'histoire nous montre que les grands débats qui ont divisé un moment les Français apparaissent avec le recul du temps comme une étape nécessaire à la formation d'un nouveau consensus social qui s'inscrit dans une tradition de tolérance et de mesure qui honore notre pays. Je ne suis pas de ceux et de celles qui redoutent l'avenir. Les jeunes générations nous surprennent parfois en ce qu'elles diffèrent de nous. Nous les avons nous-mêmes élevées de façon différente de celles dont nous l'avons été. Mais cette jeunesse est courageuse, capable d'enthousiasme et de sacrifice comme les autres. Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême. Je vous remercie. Merci Marie-Claude pour cette lecture. Moi, j'aimerais d'abord savoir pourquoi est-ce que tu as choisi ce texte aujourd'hui, particulièrement avec beaucoup de textes de beaucoup de grandes femmes. Pourquoi celui-là ? À l'heure du recul des tolérances, je crois qu'il était important de rappeler aux femmes
elles le savent, aux hommes, à la société, ce nouveau contrat social que Madame Simone Veil a défendu et organisé et fait voter lié à l'interruption volontaire de grossesse. Est-ce que c'est une femme qui était une femme politique? Est-ce que c'est une femme du coup politique qui t'inspire toi-même dans ton parcours politique? Est-ce que c'est un Madame c'est une inspiration? Madame Simone Veil, mon père qui était ministre avec elle, disait toujours, après chaque conseil des ministres, enfin je l'ai beaucoup entendu dire cela, elle nous en impose. Par sa stature, mais sa force qu'elle avait en elle, et bien sûr qu'elle inspire toutes les femmes, qu'elles soient femmes politiques ou pas, parce que par son parcours de vie, mais aussi par sa générosité, par sa capacité à se décentrer du milieu dans lequel elle était et à faire avancer les choses pour les femmes, je crois que c'est une des femmes les plus remarquables que notre pays a pu connaître. Et enfin, il y a d'autres femmes remarquables en ce moment, bien sûr, mais a pu connaître, puisque Madame Veil n'est plus là. Et quelle serait justement, c'est une question qu'on a déjà posée à nos invités, mais la valeur qui aujourd'hui serait la plus importante pour toi à ce moment-là de ta vie, quelle serait la valeur qui a le plus guidé ta vie, qu'elle soit politique ou personnelle? Qui t'a fait peut-être tenir parfois. L'engagement, le courage, et par rapport à ce dont on vient de parler, cette sororité qui circule dans mes veines et qui est une déclinaison de la fraternité. Quand on est élu maire, quand on te voit, on se dit bon, bah, ça y est, elle a réussi, il n'y a plus rien à prouver. Est-ce que tu as l'impression parfois que tu as encore des choses à prouver? Et est-ce que tu as l'impression que c'est parce que tu es une femme? Alors, vaste sujet. Des choses à prouver, des choses à faire au service des autres. Quand on est maire, on a toujours, avec une équipe, des projets à mener. Après, des choses à prouver... La vie quotidienne, au cours de sa vie, on prouve les choses, on fait les choses et on a approuvé non, mais à faire, oui, en politique, et ça, je l'observe tous les jours, en ce moment, encore plus, période d'élection. Les femmes, il faut qu'elles en fassent, quelles qu'elles soient, de quelque parti qu'elles soient, il faut qu'elles en fassent toujours plus. Et vous remarquerez, que les journalistes vont toujours sur des sujets liés au look, aux qualités ou aux défauts des femmes. Ce qu'ils ne font jamais, jamais, jamais avec un homme. Je vais citer Madame Ségolène Royal, n'est pas du tout de ma tendance politique, mais ce n'est pas la question, qui a été maltraitée lors de la campagne des présidentielles où on s'exprimait toujours sur sa robe, sur la couleur de ses cheveux. Enfin, mais franchement, et ça m'a beaucoup choquée. Et ça continue à me choquer. Et tu es encore en cours de mandat, mais... Jusqu'à aujourd'hui, voilà, quel serait le plus beau souvenir que tu aies en tant que mère, mais ça peut être aussi en tant que maman, parce que tu es aussi maman, tu es aussi grand-mère, et ça, voilà, en parallèle de la vie de toutes les femmes qu'on a pu interroger ici. Est-ce que tu aurais voilà, un souvenir marquant de ce mandat ou du précédent, le plus marquant? Ah, du mandat, c'est tous ensemble, et j'en aurai encore des trémolos dans la voix, là. La victoire de 2014. Vraiment. Vraiment. Merci. Merci beaucoup, Marie-Claude. Je demanderai peut-être de reprendre la parole pour conclure tout à l'heure. Merci.
Je vais laisser la place. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vous avancer un peu ou si vous restez comme vous voulez. Ouais, vous êtes un peu court. Je vais laisser maintenant la place et la voix à nos jeunes candidats du Young Festival. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il marche mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, c'est une fille qui l'ouvre, ça serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter, d'aller te faire. Moi je passerai pas la radio. Si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit un pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, t'allais te faire en haut. Moi, je serais poli pour la télé. Ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. D'aller te faire. Je serai poli pour la télé. Mais va te faire. Can't you see I'm calling a girl like you to wear a warning? It's dangerous, I'm falling. I need a healing, baby, get me help. You're dangerous, I'm falling. Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? With the taste of your lips, I'm on the right. You're toxic, I'm slipping under. With the taste of the poison paradise, I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? What you do, don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Oh, slowly, it's taking over me. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? With the taste of your lips, I'm on the right. You're toxic, I'm sipping under. With the taste of the poison paradise, I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? Get me now.
Will you love me now? I think I'm ready now. I think I'm ready now. Intoxicate me now. Will you love me now? I think I'm ready now. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. Prends garde sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. Et toi, qu'est-ce que tu crois? Je ne suis qu'un animal déguisé en madone. Et toi, je pourrais te faire mal, je pourrais te blesser, oui, dans la nuit qui frissonne. Prends garde sous mon sein la grenade, sous mon sein là, regarde, sous mon sein là, grenade. Prends garde, sous mon sein là, grenade, sous mon sein là, regarde, sous mon sein là, grenade. Et toi, qu'est-ce que tu t'imagines? Je suis aussi vorace, aussi vivante que toi. Sais-tu que là sous ma poitrine, une rage sommeille que tu ne soupçonnes pas? Prends garde sous mon sein là. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais.
On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe. Merci beaucoup. Alors, je voudrais qu'on réapplaudisse une deuxième fois Théo Potera, Victoria Guillou et Quentin Pradine, s'il vous plaît. C'est pas tout à fait un hasard que ce soit eux qui sont là, puisque Théo et Victoria sont candidats pour le tremplin du Young Festival qui se tiendra le 19 mars à l'Embarcadère. Donc, si vous n'avez rien le 19 mars à l'Embarcadère, je vous engage vivement à prendre vos places. Donc, ils sont 7. Là, on en a 2 aujourd'hui, mais ils sont 7 candidats. Ils se produiront sur la scène de l'Embarcadère. C'est vraiment important. Ils ont beaucoup répété, ils sont beaucoup préparés. Ce sera un très joli concert, donc je vous invite vraiment à prendre vos places. Voilà, ça, c'était l'instant pub. Maintenant, on arrive à la conclusion de cet après-midi. Je voulais vraiment vous remercier d'avoir été présents. Très sincèrement, toutes les femmes qui sont ici auraient pu être avec nous sur ce canapé. On a dû faire des choix. Sinon, on aurait passé, je pense, une semaine à parler avec vous. Mais merci d'avoir été présente, merci d'avoir répondu à l'invitation, merci à toutes les intervenantes d'avoir pris le pas. Je sais que pour certaines c'était très stressant, mais tout le monde y est arrivé. Je voulais aussi remercier l'endroit qui nous a prêté ce canapé. Je voulais remercier APBS qui a très professionnellement filmé et enregistré ce moment. Merci aussi aux services de la ville qui ont participé à cette organisation. Merci à Paul qui a été mon co-présentateur. Merci à Laurent Stéphane Duvaux qui est dans l'ombre et derrière, mais qui a été un artisan de cet après-midi également. Je vais vous inviter maintenant à partager avec nous un verre. Je vais aussi inviter Madame le maire, si tu désires, peut-être dire le mot de la fin. Et ensuite, tu distribueras une fleur à chacune de nos invitées. Merci Amélie, merci Paul, merci à vous toutes d'avoir participé. Merci aux danseurs, merci aux chanteurs, merci à la presse. Merci aux agents qui se sont mobilisés cet après-midi, parce que c'est une lourde journée. En particulier, merci à mon collaborateur Laurent Stéphane qui a managé toute cette opération. On ne vous attendait plus? Ben oui, je ne vous ai pas vu arriver, je me suis inquiétée. Bon, Madame Boguet, merci. Et donc, ce que je voulais vous préciser, c'est que l'intégrale de cet après-midi d'échange, de partage, vous le retrouverez sur le Facebook de la ville le jour de la journée des droits des femmes, c'est-à-dire mardi 8 mars, je pense. Partagez-le pour que ça puisse être diffusé, qu'on puisse voir qu'à Monceau, on travaille depuis des années sur le droit des femmes, sur la place de la femme, sur le partage des expériences des femmes tout au long de l'année. Voilà. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des choses à écrire, il y a des stylos et des papiers. Et puis, je vous invite, mais Amélie l'a dit, à partager le verre de la convivialité. À très bientôt, ça continue. Ça a commencé hier sur le marché. Je crois que demain, il y a des événements demain. C'est mardi vraiment, oui. Mardi, non, mais toute la journée. Il me semble que demain, non. Ah, je ne sais pas. Mardi, en attendant, mardi au Trait d'Union, tout au long de la journée, il y a des activités, des événements autour des femmes.
Je sais qu'il y a aussi au syndicat Femmes Solidaires qui propose un film à 20h. Donc, vous voyez, on va publier la vidéo. On a ensemble partagé des choses cet après-midi. Et puis, jusqu'à mardi soir, eh bien, on célébrera, on imprimera dans les consciences que cette journée du droit des femmes, c'est très important, très important. Les femmes sont les compagnes des hommes, les hommes sont les compagnons des femmes. Tout ça marche ensemble, plus ou moins bien, mais en attendant, c'est comme ça que Monceau s'est construit. Les hommes sont venus travailler dans les mines et les femmes les ont accompagnés et ont travaillé, ont eu des enfants. Et cette ville s'est construite avec les hommes et les femmes qui sont venus parfois de loin, parfois de plus près, mais souvent de très loin. Et nous avons contribué, toutes ces femmes ont contribué à faire ce qu'est Monceau maintenant. Et je veux au nom de vous tous les remercier. Certaines ne sont plus là. D'autres sont encore là. Elles continueront, je suis sûre, à faire de Monceau une ville de fraternité et de sororité. Merci à vous. Et on voudrait un dernier applaudissement pour Méline, Théo, Laura, Victoria et Alexis, nos artistes. Merci.